surnoms déjà? Oh, vous en avez plein, hein? Ouais. Alors, il y a Trésor, Lukaku, Mokobé, des fois Bébé Noir, ça dépend. Donc, voilà. Et qui t'appelle Bébé Noir? Ouais, puis lui, il m'appelle, lui, il dit que je suis son... voilà, lui, dit mon chocolat. C'est quoi le petit surnom de Goran dans le vestiaire? Bah, il en a pas, en fait, je crois. Gougou. Ouais. T'as pas un truc à nous raconter sur lui? Je sais qu'il y a toutes les femmes qui sont folles de lui. Et que rien que le fait qu'il soit de retour au Vernet, ça a amené, je pense, une bonne cinquantaine de femmes en plus par match. Je pense. T'en penses quoi, toi? Je pense que oui. T'es fan de Goran aussi? Ah, je sais pas. Je sais pas si je peux l'avouer comme ça, à la caméra. Ouais, c'est public, ça. Hein. Par contre, je sais que Bram, qui est derrière la caméra, est très fan de Goran. Ouais, il a des photos de lui et tout? Il a des posters, en fait, affichés dans sa chambre. Un peu comme toi, non? Bah, moi, ma mère, elle a acheté le calendrier, justement, du Dame Servette. Et depuis 4 ans, quand je vais aux toilettes, en face de moi, il y a la photo de Goran. Et donc, je le connais assez bien. Il est pas nu, mais à chaque fois, voilà, j'ai Goran en face de moi quand je vais aux toilettes. Elle a pas changé les mois? Non, elle aime Goran, du coup, elle a gardé, je crois. Et Antonetti, c'est quoi son petit surnom dans le vestiaire? Shrek! Oh! Shrek! Viens, yeah. Parmène-nous, Shrek! Scrappy Coco! Oh, Zohan! C'est la même chose!